Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le cinquième épisode sur Little Nightmare. Et donc, c'est normalement l'épisode final, puisque on en est au chapitre 5, qui est le dernier chapitre. Par contre, je n'ai absolument aucune idée de sa longueur. Donc j'espère qu'il n'est pas trop long, sinon je le ferai en deux. Mais bon, c'est clair que si je blablate, on n'est pas rentré. Donc c'est tout de suite parti pour la fin de ce jeu. Et c'est pas plus mal. Ok. Ah non. Alors on est dans un endroit de femmes apparemment. Moi, j'ai eu peur. C'est tout rose. Ah mais je suis con. Heureusement que je viens de tourner l'épisode précédent. C'est là où la femme est partie. Ok. Ouais, il fait encore plus de bruit, quoi. C'est quoi cette musique? Vous savez quoi? Bah, j'ai pas envie d'y aller. J'espère que c'est un mannequin derrière la porte. Je prends ma minute zen, puis j'y vais. Bon. J'ai envie de dire que comme ça, elle a l'air gentille. Mais je suis pas sûre du truc, tu vois. Putain, bon, ça c'est relou parce que... Je sais pas, ma touche accroupie, elle est méga mal placée. Je sais pas où je dois aller. La concentration. Je vais me cacher sous le lit. Ok, alors. Mais c'est qu'il n'y a absolument rien dans cette pièce. À part ce vase qui est vachement bizarre. Je sais pas si, avant les jeux, je renvoyais trop les éléments qui se détachaient. Genre comme si vous regardez Scooby-Doo. Genre les dessins animés. Genre vous voyez, l'arrière-plan, c'est vachement distinct par rapport à un élément qui va bouger ou quoi. Le jeu vidéo avant, c'était pareil. Sauf que maintenant, non. Donc pour trouver l'élément qu'il faut utiliser, c'est relou. Je sais pas si elle est au courant qu'elle est en train de se coiffer devant un miroir cassé. C'est pas grave. Oui, donc je disais à part ça là. Bon. Alors je vais essayer de casser le vase. Si jamais elle arrive. Oh my god. Elle s'est arrêtée net de chanter. Et la musique est méga angoissante. Oui, ma souris. Bon. Elle a pas l'air de venir. Elle m'attend derrière la porte. Ah non, elle est plus là. Ouais, genre elle s'est volatilisée, genre hop, je disparais. Putain. Les mannequins là, j'ai horreur de ça, parce que... Je sais pas, je crois que c'est elle déjà. Et en plus... On dit... Genre je suis une grosse foussarde, genre dans ma tête elle va surgir. Putain. Elle va surgir du placard ou je sais pas quoi. Je me souviens plus la porte de quoi c'est.
Bah, elle est où? N'empêche que leur famille est un peu bizarre, hein. Les photos de famille, c'est pas ça chez eux. Courage, tout va bien aller. Ah, de toute façon, on est bientôt à la fin, non? Enfin, j'en sais rien. Ok. Oui, c'était leur réaction. Je sais pas ce qui s'est passé, mais ça m'a fait flipper sa race. J'ai pas regardé. Ok. Non mais ça va, c'est rien, genre maintenant que j'ai vu ce qu'elle fait, ça va aller. Ok, c'est bon. Ça va. Comment je cours, s'il te plaît? J'ai vu des mannequins partout. Il y avait des mannequins partout, partout, partout. En plus, j'ai un truc avec le miroir. Qu'est-ce que c'est? C'est un miroir? Mais non. On est d'accord que c'est elle au milieu, hein. Ça va aller, tout va bien. Il est où? Putain, j'espère qu'il faut pas faire ça 340 fois parce que je suis en train de faire des arrêts cardiaques de fou. J'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure. C'est pas fini. Je pensais tellement pas qu'on allait devoir battre un boss comme ça. Encore? Putain, mais c'est pire que les boss de Mario là. Non. Non. Sérieusement?
Je vais devoir la bouffer. Non mais je suis désolée, mais le pire dans ce jeu, c'est le gosse qu'on joue. Quoi, c'est pas fini là? Putain. Ok, j'ai fini le jeu. What? Il me faut 5 minutes pour m'en remettre de mes émotions. Ok, et bien on a fini Little Nightmares. Je m'attendais tellement pas à ce que le dernier puisse être aussi court, en fait. Voilà. Enfin bref, c'était vraiment très 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 bizarre. Je sais pas du tout quoi en penser, en fait. J'aime l'univers. Je le trouve génial. Je trouve que c'est un jeu horreur qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est plutôt du... Ouais, c'est du horrifique... semi... Enfin... Je sais pas, genre j'aime bien cet univers et tout, c'est super beau. Aussi le fait des plans et tout ça, genre c'est génial. Mais là, ce que je regrette vraiment, c'est que on peut pas du tout comprendre l'histoire en fait. Encore, je suis comme je parlais, genre Limbo, je crois qu'on peut plus ou moins comprendre le jeu. Là, que dalle. Enfin, j'ai pas du tout compris. Enfin, on sait juste qu'il fait un cauchemar quoi, et quoi, son cauchemar c'est il a un rapport avec la bouffe, il a peur de mourir de faim, et genre du coup quand il mange la meuf, genre il récupère son pouvoir, enfin... C'est vachement bizarre, on sait rien sur les petits personnages là, genre les petits trucs avec les chiapas trop choux, on sait rien là-dessus. Mais, enfin voilà, bon, je sais pas trop quoi en penser. J'ai aimé... Non en fait, en règle générale, j'ai aimé la façon de jouer... L'univers, tout ça comme je viens de dire en fait, hein. Mais voilà. La seule chose qui manque c'est l'histoire. Sinon du coup j'ai bien aimé.
Et voilà. On a fini le jeu. Ah, il y a encore un petit truc. Merci d'avoir joué. Avec plaisir, j'aurais juste laissé ma santé mentale avec vous. Et bah donc voilà, je vous ai déjà dit ce que j'en pense, donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si cet épisode vous a plu et si cette saga vous a plu, enfin cette série. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé vous du jeu, et si vous avez joué aussi, ce que du coup, enfin tout, voilà, dites-moi tout en commentaire. Mais surtout ce que vous avez pensé du jeu, si vous pensez comme moi ou pas, ou voilà, faites-vous plaisir. Je vous dis donc à très vite pour de nouvelles aventures.